Alors, monsieur le maire, ce matin, quelques heures, à Nouhous, à l'origine, semble-t-il, un projet de 350 hectares sur un projet de 35 ans. Ce projet, d'abord, c'est quoi exactement? Il paraît que c'est sur une délibération du conseil municipal. Je pense que je vous remercie d'être là. Et il faut aussi commencer par regretter les heures dont vous avez fait cas. Parce que nous, on aurait souhaité quand même la paix à Morolan. Pas de problème, c'est ce qu'on souhaite. Mais malheureusement, dans la vie de l'être humain, c'est normal parfois qu'il y ait des conflits. Voilà. Mais ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Ça permet quand même de réfléchir et d'avancer. Voilà. Comme vous venez de le dire, nous sommes dans une commune où depuis quelques années, pour ne pas dire des dizaines d'années, il ne pleut plus. Voilà. Donc comme cette année, à Morolan, les gens n'ont rien récolté. Voilà, donc ça fait des années, voilà, on vit comme ça, dans la pauvreté. Voilà, donc si vous regardez aussi les champs qui sont là-bas, il y a des champs qui ne sont pas cultivés depuis 40 ans. En tout cas, au moins 90% des champs ne sont pas cultivés depuis 20 ans, 30 ans. C'est dû à, donc, à la sécheresse. Voilà, les gens ils cultivent, mais après ils ne récoltent rien. Finalement, les gens se sont découragés. Il y en a qui sont partis à Dakar. Voilà. Donc avec cette pauvreté, voilà, qui est endémique, qui est là depuis longtemps, on a dit, mais est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à exploiter ces terres qui sont laissées comme ça? Donc c'est comme ça que un inspecteur de police à la retraite, qui est à Dakar, hein, il est allé à Dias, il est ami au maire de Dias. C'est de là-bas qu'il a découvert un projet. Il est venu à Morolan. Et finalement, de fil en aiguille, les femmes de Morolan quittaient Morolan pour aller faire la cueillette à Dias. Voilà, après les gens se sont dit, mais pourquoi ne pas mettre de projet ici? Nous avons la terre, nous avons l'eau. Les femmes quittaient 5h du matin pour venir à 22h la nuit. Ça ne pouvait pas continuer. C'est comme ça que les gens se sont dit, consensuellement, parce qu'il y a eu plusieurs rencontres dans les villages, et même ceux-là, même qui disent non aujourd'hui, ils avaient 2 heures à courir. En tout cas, parmi eux, beaucoup avaient déjà 2 heures à courir. Et quand vous vous donnez votre accord, le conseil municipal a délibéré. Parce qu'il y avait le côté de la légitimité qui était réglé. Comme la légitimité était réglée, nous avons réglé le côté légalité. C'est pourquoi nous avons délibéré donc pour ce projet. Après plusieurs mois, 6 mois, 1 an, on a négocié ce projet-là. Et le projet, en termes plus concrets, c'est quoi exactement? C'est un projet agricole, mais agricole avec grand A. Parce qu'ils vont faire, dans ce site, il y aura le volet maraîchage. Il y aura le volet arboriculture, il y aura le volet élevage, il y aura au moins 800 têtes de bovins. Et c'est un projet qui va embaucher au moins 2000 personnes. Voilà. Donc au moment où nous parlons, rien qu'à dans les tests, il y a 70, près de 100 personnes qui sont essentiellement les jeunes de Morolan qui travaillent dans ce projet. Voilà, moi je pense que le projet, on ne l'a pas fait pour prendre des champs des gens. Et si on a limité le truc dans le temps, c'est pour permettre à l'investisseur de rentrer dans ses fonds. Parce qu'on ne peut pas quand même en 10 ans voilà, donc régler les problèmes d'investissement pour recouvrir en tout cas tous nos investissements. Donc vous refutez toute force, il n'y a pas de forcing? Non, il n'y a pas eu de forcing. Il n'y a pas eu de forcing du tout. Voilà. Maintenant, il y a un collectif qui s'est auto-créé, auto-programmé. Voilà. Donc, et c'est après la délibération. Voilà, donc si les gens s'étaient opposés peut-être mal, parce que ce n'est pas le premier projet à Morolan. Il y a eu plusieurs projets. Et à chaque fois, les populations disaient on n'en avait pas besoin, on disait il n'y a pas de problème, on arrêtait. Mais cette fois-ci, quand je suis allé à Ndiago, le chef de village de Ndiago, et j'aurais souhaité que vous mettez ça dans la télévision, le chef de village de Ndiago a dit, vous pouvez, comme moi je n'étais pas d'accord, mais comme la majorité est d'accord, parce qu'il n'y avait que 2 personnes qui n'étaient pas d'accord, il a dit donc, vous pouvez commencer demain. À Lourous, même chose. À Foulon, même chose. Et c'est essentiellement les villages qui appliquent le projet. Eux, ils ont donné leur feu vert. Nous, on a délibéré. Dans la légalité, vraiment, sans aucune contrainte, on a délibéré pour que ce projet s'installe pour lutter contre la famine, j'allais dire, à Morolan. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le projet a beaucoup fait déjà. Parce que quand le projet est venu, on leur a fait payer 500 000 francs par hectare. On n'a pas vendu les terres. Mais on a demandé au projet, d'habitude les projets payaient quoi? Ils remboursaient les arbres. C'était
un peu les ceux qui avaient la valeur, quoi. Mais la terre n'avait pas de branche sur la terre. Mais on leur a dit que vous allez rembourser, vous allez payer des indemnités aux paysans. Ils ont payé 500 000 francs l'hectare. Ils ont subventionné les mosquées. Ils ont investi déjà beaucoup d'argent dans la commune. Voilà, donc pour moi, un projet de ce genre, on ne peut pas quand même voilà, dire que ce n'est pas bon, parce que déjà, comme je disais tout à l'heure, nous voulons créer le retour, comme disait l'ancien président de soulever l'agriculture, nous voulons créer le retour vers Morora. Nous voulons que les jeunes qui sont à Dakar, qui ne font rien, les filles qui sont là-bas, qui font les métiers de bonne, tout le monde revient ici à Morora. C'est ça que nous souhaitons. Voilà, donc pour ça, je pense que vraiment, nous, on n'a rien à se reprocher. Sauf peut-être qu'il y a eu un malentendu. Voilà, c'est, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ces gens-là, ben, quand ils ont fait le crédit, nous, on a fait un contrat avec le projet. Mais c'est à cause de ce collectif, parce qu'ils ont dit que voilà, ils réclament, ils réclament, ils réclament, ils réclament, on a fait un nouveau an de contrat pour satisfaire à leurs besoins. Donc à chaque fois qu'on satisfaisait leurs besoins, il y avait une autre demande. Ils en voulaient plus. Donc c'est des gens voilà, qui ne voulaient peut-être pas que le projet ait lieu. Voilà, il y a eu d'autres. Il y a d'autres qui sont dedans. Voilà, je pense que si vous faites une enquête, vous êtes des journalistes, vous verrez que il y a d'autres personnes qui sont derrière, qui animent plus ou moins cette affaire pour éviter que ce projet ne réussisse. Voilà. Mais donc, le projet va se poursuivre ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Non, le projet va se poursuivre. Je pense que le projet va se poursuivre. Maintenant, et pourtant, on était en train de trouver une solution. Parce qu'on avait dit qu'on allait faire le remembrement. C'est-à-dire ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec le projet, on allait les recaser dans un autre site. Mais pour qu'ils ne gênent pas aussi le projet. Parce que la dernière concertation, c'était lundi. Quand ils sont allés sur le site, pareil, ils ont demandé, ils voulaient être à côté du forage. Alors que ce n'est pas possible. On ne peut pas diviser le projet en deux. Il faut qu'on doit les mettre dans un coin pour qu'ils ne dérangent pas le projet. On est prêt à les restituer la terre de cette façon-là. Il n'y a pas de problème pour nous. Si eux, ils veulent travailler, on peut restituer la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après l'hivernage, ces gens-là, ils ont récolté et ils étaient en train, pendant la saison sèche, de replanter des citronniers. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont au remembrement et tu plantes des citronniers dans ton champ. C'est peut-être pour justifier l'utilisation des champs. Je pense que c'est ça, c'est simplement ça. Je pense que vraiment, nous, on ne souhaite pas ça. Sincèrement, c'est avec degré, pincement du cœur, que, voilà, qu'on en arrive là. Mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, Morora, on ne peut pas continuer à vivre dans cette misère. C'est ça la vérité, on ne peut pas. Il faut qu'on crée de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes, pour tout le monde. Parce que c'est un projet qui va prendre en charge tout le monde. C'est pas seulement les jeunes et les femmes, même les hommes. Donc au niveau du projet aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des gens qui travaillaient dans les usines de Lamlam, de qui, mais qui conduisaient des engins, qui originaient de Morora, ils sont reconnus. Et c'est des gens qui vont maintenant contribuer au développement de ce pays-là, de cette commune. Moi, je pense sincèrement, voilà, les gens sont animés par d'autres mobiles peut-être, mais nous, on reste serein. Voilà, on reste serein. Le projet, je pense qu'on va continuer la négociation avec le sous-préfet, tous les acteurs, et on va trouver, le remembrement va être effectif. On va trouver un terrain pour qu'ils puissent, s'ils veulent cultiver des melons, des pastèques, il n'y a pas de problème. Mais, quand même, le projet aura lieu. Le projet ne peut pas s'arrêter, ce n'est pas possible. Ces gens ont déjà investi plusieurs milliards. Comment on peut le demander d'arrêter? C'est pas possible. Et puis quand même, si vous prenez sur 360 personnes, c'est près d'une vingtaine de personnes qui n'est pas d'accord. Ça quand même, c'est infime. C'est infime. Je pense qu'il ne faut pas qu'on... En tout cas, ce que j'avais à dire, en tout cas, vraiment, globalement, pour le projet, si vous n'avez pas de questions. C'est qui exploite les terres au niveau de l'Ouros, concrètement? Non, c'est pas l'Ouros, concrètement. Peut-être que les gens qui ont blessé, ils habitent l'Ouros. Mais c'est un terrain qui impacte sur trois villages, Ndiaye-Bob, Fouloumou et Lourous. Voilà. Mais ceux-là aujourd'hui qui ont eu des altercations avec des gens des projets, c'est les gens de Lourous. Voilà, donc aujourd'hui, le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à Jess, c'est Vanos. Vanos, c'est un Hollandais qui a investi et qui est là-bas. C'est ce même Vanos, il s'appelle Vanos, qui a investi ici, mais le projet s'appelle... Kaliti, Fruti, Sénégal. Donc je pense que c'est un projet à notre nom ici, mais c'est les Hollandais qui investissent pour gagner de l'argent, bien sûr, mais il y a une retombée économique dans la commune. Et je vous dis que non seulement les emplois, c'est d'abord les propriétaires des champs.
qui sont prioritaires. D'abord les propriétaires des champs, c'est ça qui est dans le contrat. Ensuite, après les propriétaires des champs, c'est les villages environnants qui sont prioritaires. Après c'est Morona, après c'est les autres. C'est ça qui est mis dans, le, dans les contrats et c'est respecté. Et en même temps, sur chaque tonne d'euro vendue, chaque tonne vendue à l'étranger, ils vont verser 10 euros à la commune de Morona. C'est beaucoup d'argent ça. Et cet argent va servir à quoi? On a mis en place un comité composé du maire, du directeur du projet et des populations qui vont chaque fois se réunir pour dire si on a 100 millions cette année, on doit investir sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect. Donc je pense que vraiment, on a mis en place un système pour développer la commune de Morona. C'est ça la vérité. Parce que quoi qu'on dise, on peut, moi j'ai pas d'argent pour creuser un forage. L'État du Sénégal n'a pas les moyens pour accompagner l'agriculture, c'est ça la vérité. Maintenant, si on trouve des étrangers qui viennent investir, on doit les accompagner. Mais, je vous dis ici, nous on a mis comme 5 ans. C'est bien clair, si vous pouvez prendre le cette délibération qui est là, c'est 35 ans renouvelable. C'est pour éviter que les gens ne cherchent des baux, des types fonciers. C'est pour éviter ça. Et ça, vous verrez normalement, un conseil municipal délibéré. Et quand j'étais à l'ONU il n'y a pas longtemps, au Maroc c'est comme ça. Au Maroc c'est entre 17 ans et 40 ans. C'est comme ça. Et là, au Sénégal, nous-mêmes, on a initié un truc comme le Maroc. Donc on a limité dans le temps la délibération pour éviter qu'ils ne cherchent donc un titre foncier pour eux. Et puis chaque paysan a reçu un extrait de délibération de son champ. Chaque paysan. On a fait un extrait de délibération du champ. Parce qu'avec les services de délibération, demain, si le projet n'est plus là, avec les coordonnées géographiques, chacun peut trouver son champ. Il n'y a pas de problème. Tant que pour moi, je ne vois vraiment pas où se trouve le problème. Il n'y a pas de quoi vraiment fouetter. Parce que pour moi, actuellement, ce sont les enfants de mon âge qui vont travailler, qui vont gagner leur vie. Voilà, je pense que ça. C'est ça le projet. C'est bon. Si vous voyez le